notion de douleur asymptomatique droite et une display déforme. D'accord? Oui. Donc il a une fièvre, une asthénie, un amaigrissement, une toux sèche, une douleur vasothoracique droite et une display déforme. D'accord? Le malade a consulté auparavant au niveau du pavillon des urgences médico-chirurgicales où un traitement antibiotique et antipyrétique ont été prescrits mais sans amélioration. Donc lorsqu'il a consulté à notre niveau, on a demandé une radiographie du thorax. Donc vous allez la voir et vous allez l'interpréter. Dites-vous, avez-vous déjà l'interprétation en radiologie? Non. Pas encore. Voilà la radio qu'on a fait pour notre malade. Mais quand même, la chirurgie, peut-être déjà la radiologie. D'accord. Voilà, c'est la radiographie. Quand on fait une radiographie thoracique, pour un malade, on a des critères, ce qu'on appelle les critères de qualité, les critères de qualité d'une radiographie thoracique. Le premier critère, on l'appelle, soit c'est le D. Donc, trochlodéma, huitième D, une interprétation radiologique, 10P, D, I, S, C et P. 10P, d'accord? Donc, pour le D, c'est la position debout. Donc, pour que la radio soit de bonne qualité, le malade doit être en position debout. Comment savoir si cette radio est faite chez un sujet en position debout ou non? Donc, on cherche la roche à l'air gastrique. Dans ce cas, est-ce qu'elle est visible ou non? Donc, c'est une radiographie. Tout d'abord, on commence par... la radio est faite chez un sujet de sexe masculin ou féminin. D'accord? Donc, pour faire la différence, qu'est-ce qu'on cherche? L'angle mammaire. L'angle mammaire bilatéral. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? C'est une radio qui est faite chez sujet masculin. Donc, on ne peut pas voir l'angle mammaire. Donc, premièrement, c'est une radio faite chez un sujet de sexe masculin en position debout, parce qu'on peut voir la roche à l'air gastrique. D'accord? Donc pour le I, c'est l'inspiration profonde. Pour qu'elle soit de bonne qualité, elle doit être en inspiration profonde. Comment savoir si cette radio est en inspiration profonde ou non? Oui? Allez-y. Comment savoir si la radio est en inspiration profonde ou non? Non. Donc, cinquième, sixième côte, on doit la voir. D'accord? Les côtes antérieures. Les côtes antérieures. Donc, est-ce qu'on peut voir la cinquième, sixième côte, l'arc costal? On peut les voir. D'accord? Donc, c'est une radio qui est faite en inspiration profonde. Donc, pour le S, c'est la symétrie. La symétrie. La radio doit être symétrique. Non. L'extrémité interne des deux clavicules doit être équidistante avec les apophyses. D'accord? Dans ce cas, c'est une radiographie qui est symétrique. D'accord? Donc, pour le C, c'est le cadrage. Le cadrage. La radio doit être bien cadrée. Pour dire qu'elle est bien cadrée, on doit voir les parties molles, latérales, les aisselles, ça veut dire l'angle de l'aisselle, doit être visible des deux côtés. D'accord? Et le tiers supérieur de l'abdomen doit être visible.
et le tiers inférieur du coude doit être visible. Dans ce cas, elle est, on dit, est-ce que ces caractères sont tous réunis? Non. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Donc, la partie inférieure du coude n'est pas visible, donc elle est mal carrée. D'accord? Donc, 10P, on est arrivé au C. Donc, pour le P, c'est la pénétration. Pénétration. Elle doit être bien pénétrée. Ni mal pénétrée, ni trop pénétrée. Dans ce cas, si on peut deviner tout le rachis, on dit qu'elle est trop pénétrée. D'accord? Dans ce cas, elle est trop pénétrée. On peut le deviner, on peut voir le rachis. Toutes les vertèbres sont visibles. Donc, c'est une maillot qui est trop pénétrée. D'accord? Voilà la deux critères de validité de radiographie thoracique de face. Après, on commence à interpréter. Il y a ce qu'on appelle le contenant et le contenu. D'accord? Le contenu, c'est tout ce qui est partie molle et cadre osseux. On doit tout voir. À la recherche d'une lésion ou d'une radiographie au niveau des parties molles. D'accord? Dans ce cas, les parties molles sont simples et on doit voir tout le cadre osseux, les clavicules, les arcs osseux. Donc, on n'a pas trouvé de lésion. D'accord? Donc, le contenu, il est simple, il n'y a pas de lésion. On passe au contenu. Donc, le médiastin, il est à la fin du contenu. Le médiastin, à la recherche de l'adénopathie, il est. D'accord? Les adénopathies se voient comme des opacités parabilaires. D'accord? Ça aussi, c'est dans le contenu. Je suis habitué, puis je me traite, je traite l'image. Le diapo. Oui. D'accord. Ça, je ne peux pas expliquer. D'accord, oui. Voilà, donc maintenant, ce sont des régions hilaires à la recherche d'éventuelles opacités qui peuvent correspondre à des adénopathies. D'accord? Vous avez compris. C'est ce qu'on appelle le contenant. On passe maintenant au contenu. Le contenu, c'est le parenchyme pulmonaire. C'est les deux poumons à la recherche d'éventuelles anomalies. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce que vous voyez? Toujours, on commence à voir de haut en bas. On commence par le champ pulmonaire de bas, on examine de haut en bas, et puis on passe au champ pulmonaire gauche tout en examinant de haut en bas, en faisant un genre de tourbillon de haut en bas. Pour ne rien. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez sur cette radio? C'est bon, on a terminé les critères de qualité, on a bien examiné le contenant, et maintenant c'est le contenu. Qu'est-ce qui est anormal dans cette radiographie? Oui? Oui, oui. Oui. D'accord, oui, c'est juste. Quel type de sac? Et il y a deux types de sac qu'on peut voir sur la radiographie thoracique de face. Il y a le type de sac osteodiaphragmatique. Voilà, et le cardio-rénien. Voilà, c'est le cul de sac costo-diaphragmatique gauche. Et par ici, normalement, on voit le cul de sac costo-diaphragmatique droit. Mais dans ce cas, il n'est pas visible. Voilà, c'est le cul de sac cardio-rénique gauche. Et normalement, à ce niveau, on peut voir le cul de sac cardio-rénique droit. Donc, on dit que c'est une opacité. Donc, pour toutes les opacités,
On commence par la densité. Est-ce que notre opacité, elle est dense ou non, ou bien elle est très dense? Elle est dense. On dit qu'elle est de tonalité hydrique. Voilà, c'est une opacité qui est dense, qui est de tonalité hydrique. Donc, ses limites. La limite inférieure, est-ce qu'elle est visible ou non? Non. On dit qu'elle efface l'hémicoupole. انا اللي غادي نعمل مشتم هاي واحد فيكم يعني الى كرهت elle est dense en gel de tonalité hydrique limite inférieure l'hémicoupole diaphragmatique droite et les deux cuisses de sac droit costaud diaphragmatique et cardiophrénie. Voilà, c'est la limite inférieure. On ne peut pas la deviner. Elle efface l'hémicoupole et les deux fils de sein. Maintenant, on passe à la limite supérieure. Elle est concave en haut. Non, elle est concave en haut, ici, et en dedans. D'accord? Elle est concave en haut, plutôt en dehors. Elle est concave. Non, elle est concave en haut et en dedans. D'accord? Elle est concave en haut et en dedans. Et ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de d'oiseau. D'accord? De tout le cours, tu as appris ici hier, non? Dans la tuberculose extrapulmonaire. Vous avez fait la pleurésie. Est-ce que vous avez vu des radios ou non de la pleurésie? C'est l'interprétation d'une radiographie sur laquelle on peut voir la pleurésie. Le poumon n'y est pas. Il n'est pas juste accolé comme celui qui est. Par exemple, les lignes de Fabry, normalement, on les voit. On tape la tête hémodynamique. Par exemple, un OAP hémodynamique. Il y a une surcharge cardiaque. D'accord. Donc, il va y avoir un degré au niveau du poumon. Dans ce cas, tu peux voir les lignes de Fabry. D'accord. Sur cette radio, moi, je ne vois pas de lignes de Fabry. Il y a seulement un banc, elle est de mauvaise qualité. Normalement, si vous passez le service pour bien interpréter une radiographie, on va disposer d'un négatoscope. D'accord? C'est pas sur le rachis. C'est le négatoscope sur lequel on met la radiographie pour mieux interpréter cette radio. D'accord? Donc, on récapitule. Quelqu'un peut récapituler. C'est comme ça que vous auriez l'habitude d'interpréter des radios. Est-ce que quelqu'un pourrait récapituler? Allez-y. C'est une radiographie de. Oui, d'accord. Allez-y. Il s'agit d'une radiographie. Oui. Chez un patient. De face. Donc, est-ce qu'elle est de face ou de profil? Il y a une différence. D'accord? Oui. Madame. Chez un sujet. Les consultants au service. Chez un sujet de sexe. Masculin. Oui. Consultant au service. Non. Pour l'interprétation radiologique, on ne mentionne pas les signes cliniques et les motifs de consultation. D'accord? C'est une radiographie de face chez un sujet, radiographie thoracique de face chez un sujet de sexe masculin, faite, on commence par les critères de qualité discrets, faite en position de cou. En inspiration profonde. Oui. Cette radiographie est asymétrique. Elle est symétrique. Elle est symétrique. On note. Non, tu n'as pas terminé. Un mal cadrage. Mal cadré. Mal
Oui. Mal cadré. Avec une pénétration. Un critère. Pourquoi? La pénétration. Elle est trop. Oui, d'accord. Elle est trop pénétrée. Tout d'abord, on commence par l'analyse du contenu. Le collection, on commence. Directement, tu fais l'analyse. D'accord. On ne note pas. On ne note pas. Donc, si tu vas noter des anomalies, il faut les noter. S'il y a par exemple une fracture au niveau d'une côte, on note une lésion osseuse ou bien. D'accord. Donc, pas d'anomalie du cadre osseux, ni des parties molles. Donc, on n'a pas vu des adénopathies ou bien une anomalie au niveau des parties molles. D'accord. Concernant les poumons, directement, ce problème n'est pas pulmonaire. D'accord. Donc, on vous dit concernant le poumon. On note la présence d'une. Tout d'abord, le siège de cette opacité. On a oublié de localiser l'opacité. Donc, toujours l'hémithorax. Basithoracique, le tiers inférieur. Le tiers inférieur de l'hémithorax va. Donc, tout ce qui est poumon, tu dis poumon. Et dans ce cas, c'est un autre problème qu'on dit l'hémithorax. D'accord? Le tiers inférieur. On note la présence d'une opacité au tiers inférieur droit. De l'hémithorax droit. D'accord. Cette opacité, elle est dense, homogène. Homogène. Donc, il y a des opacités homogènes et hétérogènes. Dans ce cas, on ne voit pas une hétérogénéité. Là, j'ai des clartés, des niveaux, ou bien des clartés au sein de cette opacité. Donc, elle est dense, homogène, oui. Oui. Elle est concave en haut et en dedans. Non, non. On commence par les limites, les différentes limites. La convexité, c'est la limite supérieure. Donc, tu commences par la limite inférieure, le plus c'est la limite supérieure. Quelle est limite? Sa limite inférieure, elle est invisible. Tu dis pas invisible, tu dis directement effaçant. Effaçant les plus de sac postodiaphragmatique et cardioclinique. Droit. Toujours, il faut localiser. Chaque mot est de la valeur de l'interprétation radiologique. D'accord? Sa limite supérieure, elle est concave. Qui correspond à la ligne de Damoiseau. D'accord? Et en conclusion, ça correspond à quoi? À l'étanchement de petite abondance. Étanchement pleural, il faut préciser de quelle nature? Liquidien. Il y a un épanchement liquidien et un liquidien. Donc c'est un épanchement pleural liquidien de moyenne, on peut dire de moyenne. De moyenne abondance, droit. Un épanchement pleural liquidien droit, de moyenne abondance. D'accord? Vous avez compris? Oui? La date? Non. La date n'a pas d'intérêt. C'est une radiographie. Directement, tu dois l'interpréter. D'accord? La date n'a pas d'importance. C'est dans l'évolution. Quand on compare l'évolution d'une pathologie quelconque, parfois, il vous donne une radio au début de la maladie et radio à la fin ou bien après le traitement. Dans ce cas, elle est intéressante. D'accord? Oui. Déjà, c'est une radio de mauvaise qualité. D'accord? Je ne vais pas trouver une radio vraiment nette pour vous montrer cette radio. Mais je ne vois pas un bronchogramme à rien. Voilà que tu veux. Donc, l'interprétation, tu ne dis pas un bronchogramme. Tu dis, je vois les clartés. Tu veux les, par exemple, là. Voilà. Chaque opacité ou clarté a
pas. Le bruit c'est un bon programme à l'air. Le bruit est grave, par exemple, tu veux, mais on l'a enquissé. D'accord? Vous avez compris l'interprétation radiologique d'une neurésie. D'accord? Donc, à peu près, dites-nous de la clinique de quoi il s'agit. Quel est votre diagnostic à évoquer et argumenter? Toujours devant un cas clinique, vous avez des arguments cliniques et des arguments radiologiques. Et parfois, ils vous donnent des arguments biologiques. Donc, on les utilise pour faire sortir un diagnostic quelconque ou bien plusieurs diagnostics à évoquer. D'accord? Dans ce cas, la question, quel est votre diagnostic à évoquer devant ces signes cliniques et radiologiques? Maintenant, je vais lancer. Donc, c'est un malade de sexe masculin, âgé de 32 ans, originaire de Valdin et de Morant. Il n'a pas d'antécédent. Qu'est-ce qu'il a comme signe clinique? Une fièvre vespérale, une asthénie, un amaigrissement, une toux sèche, douleur vasithoracique droite et dyspnée déforme. Avec cette radiographie, quel est le diagnostic à évoquer et argumenter pourquoi vous avez posé ce diagnostic? Pleurésie infectieuse, vous l'avez dit. Les infections sont très nombreuses. Bactérielle. La pleurésie virale? Non, ce n'est pas ça. Le bactère qui correspond à la pleurésie virale. Toutes les pleurésies, que ce soit bactérienne, virale ou n'importe quelle cause, c'est presque la même image de biologie. On ne peut pas deviner sur la radio le type de l'infection. On doit céder aux arguments cliniques. D'accord? Échec de l'antibiothérapie. Donc, ce qui élimine la pleurésie. Voilà. Donc, quel est le diagnostic et argumenté? Allez-y. Viral. Qu'est-ce que vous avez ici? Contexte fébrile, l'altération du corps.
Oui. Donc, devant un cadre, il faut organiser. Tout ce qu'on a comme argument, on doit l'organiser. Par exemple, on a ici une fièvre vestibulaire, une asthénie, un rhumatisme, un rhumatisme. Les signes généraux. Donc, devant les signes généraux. Et on doit les compter. Donc, la fièvre vestibulaire, elle se voit dans la fièvre nerveuse. C'est une fièvre qui commence le soir. D'accord? C'est la différence avec une infection bactérienne. La fièvre, elle prend toute la journée. Hein? C'est pas comme la fièvre nerveuse. Donc, la fièvre vestibulaire, la série, l'amélissement et l'anorexie, ce sont des signes généraux. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Des signes. Non, c'est des signes, oui, fonctionnels, respiratoires. D'accord? C'est la toux sèche, une toux qui oriente vers la pleurisie. C'est une toux sèche. Par contre, si la tête était au niveau du parochie, qu'est-ce qu'on trouve? Une toux productive. Donc, il y a une irritation de la terre, il y a une inflammation au niveau de la terre, ce qui va provoquer une toux sèche réflexe. C'est une toux qui se répète, quelqueuse et gênante. D'accord? Elle se voit typiquement dans la pleurésie, ou bien le pleurothorax, on disait qu'on chante le pleuro. Il y a aussi la douleur basilothoracique douloureuse. C'est un signe qui est évocateur de la pleurésie. Le malade, il vient avec des points de problème, des douleurs, la base, des douleurs aussi qui gênent. Il y a aussi la dyspnée d'effort. Une dyspnée d'effort, n'importe quel émotion, que ce soit pleural, liquidien ou gazeux, il peut provoquer une dyspnée. Et en fonction de l'abondance de cet émotion, le malade, soit il présente une dyspnée au repos ou bien à l'effort. Donc si l'épanchement est de grande abondance, même au repos, il est dyspnée. Oui. L'orthopnée, généralement, c'est une dyspnée cardiaque, d'origine cardiaque. D'accord? Quand il se met en position allongée, dès qu'il glisse dans ça, il ne peut pas respirer. Donc il a besoin toujours d'oreille pour pouvoir respirer. L'orthopnée, beaucoup plus, c'est cardiaque. D'accord? Dans ce cas, on a une dyspnée de voix au niveau de l'état, mais quand il ne monte les escaliers, il fait un effort, il commence à respirer rapidement. C'est un débranchement de moyenne abondance. D'accord? Vous avez compris? Fin tout. Donc, on dit que c'est une pleurésie d'origine, une pleurésie spécifique. C'est une infection spécifique, c'est une tuberculose pleurale. Et voilà les arguments qui sont en faveur. C'est un sujet jeune, dans une zone d'engueulée, qui présente, qui n'a pas tout d'abord répondu à l'antibiothérapie, et qui présente des signes généraux et des signes fonctionnels respiratoires. D'accord? Vous avez compris? Et aussi un argument radiologique qui nous oriente vers une pleurésie de voix. Donc la pleurésie, c'est devant la radiographie ou les signes fonctionnels respiratoires et la tuberculose devant les arguments sujets jeunes, périmotémiques et les signes généraux. D'accord? Vous avez compris? C'est quoi une caverne? La caverne, oui, chauffée. Voilà, c'est au niveau du parochie pulmonaire. Dans ce cas, on est au niveau de la nerf. D'accord? La flaque. Donc, on peut voir une association. Et atteindre le parochie mateur avec une atteinte pleurale. Dans ce cas, tu fais la pleurésie ou tu peux aussi voir des cavernes. D'accord? Non, c'est une association de tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire type pleurale. Ah, le caterne, oui, c'est une tuberculose extra-pulmonaire, pleurale, d'accord? Donc, c'est une pleurésie tuberculose. Vous avez compris?
Dans quels sont les examens paracliniques et biologiques qui permettent d'affirmer votre diagnostic et quel est le résultat pour chaque examen? Donc, probablement, donc c'est le diagnostic le plus probable. Mais on n'est pas sûr, on n'a pas confirmé. Toujours, on confirme par des arguments biologiques, d'accord? Ou autre argument. Donc, on est devant une pleurésie. Et on a suspecté qu'elle est d'origine spécifique tuberculeuse. Donc, comment confirmer cette pleurésie d'origine tuberculeuse? Voilà. Il y a plusieurs exemples. On commence par le premier qui est la ponction pleurale et exploratrice. Donc, on commence par la ponction pleurale exploratrice. D'accord? Quand on explore cet épanchement pleural qui vient, donc macroscopiquement, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc une pleurésie qui est probablement tuberculeuse. Macroscopiquement, j'arrive. Macroscopiquement, à l'œil nu. C'est moi, j'ai fait une ponction à l'aide d'une seringue. Je vais retirer le liquide. La tuberculose, il est de quel type? Une pleurésie tuberculeuse, le thorax, macroscopiquement ou charcutière. Voilà, un liquide gencivre, ce qu'on dit sérofibrile. Donc, le plus souvent, macroscopiquement, on va trouver un liquide jaunâtre, sérofibrile. Et dans les cas qui sont très rares, on peut voir un liquide sérohématique. Donc, deux cas. Mais purement, non. Non. Sauf s'il y a une surinfection bactérienne. Le liquide, il peut passer vers la purulence. Mais la pleurésie tuberculeuse, macroscopiquement, c'est un liquide sérofibrile. Et rarement, il peut être sérohématique. D'accord? Ça, c'est macroscopiquement. J'ai fait ma ponction exploratrice. Je vais envoyer le liquide au laboratoire pour étude. Voilà. Donc, quand on fait l'étude biochimique. Voilà. Donc, on a suspecté que c'est du pleurésie tuberculeuse. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on trouve? Un liquide exudatif. Donc, une pleurésie tuberculeuse, c'est une pleurésie exudative. Exudative, ça veut dire riche en protéines. Donc, le taux de protéines, il dépasse 35 grammes par litre. D'accord? Donc, c'est bon. Pour l'étude cytologique, qu'est-ce qu'on trouve? On ne dit pas grand humain. Un type de cellule. Non, c'est l'étude bactériologique. Voilà. Donc, c'est un liquide qui est riche en lymphocytes. Pour la pleurésie tuberculeuse, c'est un liquide lymphocytaire. Non, sauf s'il y a une surinfection. D'accord? Mais pour la pleurésie tuberculeuse, c'est un liquide lymphocytaire qui est riche en lymphocytes. Et pour l'étude bactériologique, qu'est-ce que vous avez trouvé? Les barres. Les barres, mais la tuberculose extrapulmonaire. La pleurésie, c'est une tuberculose extrapulmonaire. Donc, les bacilles sont. Donc, c'est des formes qui sont pas très riches en barres. Elles ne sont pas très contagieuses. Donc, c'est très rare de trouver des barres au niveau du liquide pleural. D'accord? C'est très très rare. Donc, on récapitule. Donc, on a une ponction exploratrice. Macroscopiquement, je vais trouver un liquide gencivre sérofibrile. Rarement sérohématique, mais on peut le trouver. Sérohématique, c'est une possibilité. On peut trouver un liquide tuberculeux sérohématique. Mais le plus souvent, il est sérofibrile. D'accord? Donc, on a envoyé le
faut en trouver un liquide exsudatif riche en protéines, fines des cellules lymphocytaires, et c'est très rare de trouver des bacilles ou bien des pâtes. C'est rare de trouver le départ. Donc, quel est l'examen suivant? Voilà. Je fais la culture. J'envoie le liquide pour culture. Donc, s'il y a des bacilles, pour avoir des colonies, le milieu avec de la Lafenstein, bien sûr. D'accord? Alors, c'est le deuxième examen par ligne. Donc, troisième examen, qu'est-ce que je fais? Dans la tuberculose extra-pulmonaire. Un examen par ligne qui est très important. Voilà, l'IDR à la tuberculine. C'est un élément qui est très important. Elle est toujours positive, sans s'il y a un terrain d'hypodépression dans ce parcours négatif. Donc, si elle est à la tuberculine, fais-je du moins. La tuberculine injectée au niveau de la face interne de l'avant-bras. Et maintenant, on vient après 72 heures, on mesure l'inflammation qui se fait au niveau de la trompe. D'accord? Et non pas l'épithèle. Parce qu'à la trompe de l'épithèle, on doit palper. On ne mesure pas l'épithèle avec la couleur rougeâtre. On doit palper l'inflammation et faire des points. Et par la suite, on la mesure. Normalement, elle doit être supérieure à 10 mm pour dire qu'elle est positive. Donc, c'est un argument qui est très important dans la tuberculose extra-pulmonaire. D'accord? Alors, c'est un autre examen. On passe maintenant à l'examen important, l'examen clé, ou chez nous. Voilà, la biopsie pleurale. D'accord? Donc, à l'aide de la pince d'Abrams, on va faire une biopsie pleurale et on va retirer des fragments pleuraux. Oui, madame? Et du anatomopathologie. Quel est le résultat? Granulant inflammatoire, gigoto-cylinaire avec une grosse casinesse. Alors, c'est l'examen anatomopathologique. C'est bon, on a confirmé par ces différents examens paracliniques qu'il s'agit d'une pleurésie tuberculose. D'accord? Vous avez compris? Donc, quelle est votre attitude thérapeutique? C'est bon, on a confirmé qu'il s'agit d'une pleurésie tuberculeuse. On doit traiter le malade. Il y a un autre traitement qu'on doit faire, le traitement de deuxième ligne. La première chose, le malade s'est présenté au niveau de la consultation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois. Avant le bain. Il n'est pas admis dans le service, je dois l'hospitaliser. La première chose, je dois hospitaliser le malade. Deuxièmement, avant tout traitement, avant de commencer n'importe quel traitement spécifique, je dois faire un bilan pré-thérapeutique. Un bilan pré-thérapeutique. Un bilan biologique pré-thérapeutique. D'accord? Aussi confie le bilan pré-thérapeutique à la bilan général biologique, FNS, glycémie, un bilan rénal, urétrique, acide urique, un bilan hépatique, les transamines, c'est le bilan hépatique. À la recherche de quoi? Atteinte hépatique, atteinte rénale. Un diabète inovural, d'accord, à la recherche d'une anémie. C'est bien. Donc, je commence par la vie en général, biologique, pré-thérapeutique. Par la suite, qu'est-ce que je fais? C'est un malade qui n'a jamais reçu de traitement spécifique. Là, je m'antibiogramme, d'accord. L'antibiogramme, dès qu'on dit que le malade a déjà reçu un traitement spécifique, c'était pas efficace.
Antibiotiques, monsieur, le traitement spécifique que vous avez fait. D'accord, c'est un antibiotique, c'est des antibiotiques pour les infections bactériennes non spécifiques. Pas spécifiques. Spécifiques, c'est la vie d'imprimace. Non spécifiques, ce sont les autres bactéries. Très tôt. D'accord. Donc, j'ai hospitalisé mon malade. J'ai fait un bilan biologique général. Je dois le poids, je dois peser le malade. D'accord. Avant le traitement, un poids qui est très important, c'est un malade qui a une pleurésie. Le drainage. C'est pas une pleurésie pulmonaire, c'est une pleurésie sérofibrilleuse. D'accord. Voilà, des ponctions évacuatrices bi-quotidiennes, matin et soir, deux fois par jour, afin de vider le plus rapidement possible cette pleurésie avant qu'elle ne passe vers l'enquistement et la pulmonie. C'est un point qui est très important. D'accord. Normalement, si la... Non, il n'est pas tout fait, c'est du moins une abondance. D'accord. Allez, mais je dois faire l'abondance. De faire l'abondance, c'est juste le cul de sang qui est comblé. Alors, on peut dire qu'elle est de moins d'abondance. Mais vous savez, je n'ai pas la lumière, d'accord. Donc, le liquide minéra, qui m'a donné le TP, un grand grand amour rapidement. Liquide, il y a tout tête. D'accord. Donc, qui m'a chauffé, je fais la radio de face, toute la quantité de le liquide. Le liquide en kéra, on conseille. D'accord. Et d'ailleurs, c'est un liquide, de, on peut dire, de moyenne abondance. D'accord. C'est bon, on a hospitalisé le malade, on a fait un bilan général, on a pesé le malade, on fait chaque jour. Matin et soir, des ponctions évacuatrices, qu'est-ce qui passe? Le traitement spécifique. Le traitement spécifique. De quelle ligne? De première ligne. Donc, le traitement de première ligne fait deux types, comme vous le savez. Il y a celui qui fait la coagulothérapie ou l'écrithérapie. Dans ce cas, on a une pleurésie. Donc, on a une hydrothérapie. Là, la trithérapie. Pourquoi? Non, c'est pas spécifiquement pour la pulmonaire. C'est pour les formes graves. Il y a des formes graves et des formes qui ne sont pas assez graves. D'accord. Par exemple, la méningite ou une quadrithérapie. D'accord. Il y a aussi la forme. Il y a des formes graves. Si la cathézone, le guide à la lutte anticuberculeuse, c'est comme il y a des formes graves et des formes qui ne sont pas assez graves. Dans ce cas, on a une pleurésie. La pleurésie, c'est une forme extra-pulmonaire qui n'est pas aussi là. C'est comme la forme ganglionnaire, la forme péritonéale, l'acide, comme aussi la pleurésie. Donc, on fait un schéma de 6 mois. Donc, les 2 premiers mois, on a une trithérapie, ou si on a les drogues qu'on va utiliser, RH et Z. Donc, la mifampicine, les oniazines et le pyrazinamide. Et par la suite, les 4 derniers mois, le R et le H. Donc, le traitement, il doit être administré le matin à jeun. Sous forme. Oui, c'est compris. Sous forme associée. Voilà. Sous forme associée. Et le nombre de comprimés en fonction du poids. Donc, le malade. Actuellement, il pèse 75. C'est bien. On va donner 5 comprimés, 2 RH7 et 4
RH, le matin, asthme, sous forme associée. D'accord ? Alors, le traitement spécifique va faire aussi tuberculose. Tout en faisant systématiquement des bilans biologiques, à chaque fois on fait le bilan biologique, le bilan rénal et surtout le bilan hépatique, l'FNS, à la recherche d'une éventuelle surélévation. Voilà. Oui. Donc s'il y a une anomalie, le bilan hépatique, on commence tout d'abord par la réduction. Vous avez fait la deux. On commence par la réduction des doses, la rifampicine et l'isoniazid. Donc si le malade est toujours, il faiblit, il a toujours un bilan hépatique qui est élevé, on va suspendre l'isoniazid. Une réduction de l'isoniazid, on dit au même schéma, qui est 2 mois R7E ou 7 mois RE. D'accord ? Retour au même. Avec les détails spécialités. Et le bilan rénal aussi. Donc, on doit donner le traitement en fonction de la clairance. S'il y a une élévation telle de la clairance, on doit calculer la clairance et pendant le traitement en fonction de la clairance. D'accord ? Et tout en cherchant aussi les effets secondaires indésirables. Il y a des effets indésirables majeurs et des effets mineurs. Donc les effets majeurs, on doit arrêter le traitement et chercher lequel parmi ces droits est responsable de cet effet pour le suspendre et le remplacer par une autre droit. Et pour les effets mineurs, on doit arrêter temporairement le traitement jusqu'à la normalisation des chiffres du bilan et par la suite, on doit soit réduire la dose ou bien changer. Voilà. Oui. Non, ce n'est pas selon l'âge, selon le poids. Oui. Il y a un tableau. Vous avez fait le tableau, non? C'est apprendre. C'est apprendre. C'est un tableau à apprendre. À partir de 71 kg, c'est 7 comprimés. D'accord? C'est un tableau en fonction du poids. 2, 3, 4 et 5 comprimés. Et c'est le matin à jeun. Une demi-heure ou bien 45 minutes avant le petit déjeuner. Il doit prendre avec les 5 comprimés simultanément, hein, madame. D'accord? 5 comprimés chaque jour. En association, je maintiens. Maintenant que les 3 drogues associent le même comprimé. D'accord? Ok, il y a une autre forme qu'on appelle la forme dissociée. La forme dissociée, par exemple, un malade qui présente une maltolérance, nous avec les antituberculeux. Obligé, soit qu'on réduit la dose, là on le suspend carrément. Quelle autre forme dissociée, par exemple R8, H8 ou Z8? D'accord. La forme associée, ça veut dire les 4 ou là, les 3 antibiotiques associés dans le même comprimé. C'est-à-dire la forme associée. D'accord. Oui. Comment ? Contre-indiqué. Donc, non, c'est le pyrazinamide normalement. Pyrazinamide. Donc, je suis contre. L'extrême des chiffres, t'as l'urée ou la créate. D'accord ? Donc, si chiffre très élevé, on doit suspendre normalement pyrazinamide. Réduire, c'est la dose, réduire le maximum ou bien suspendre. D'accord. Il y a un autre point qui est très important. Donc, on a évacué l'entreprenésie, on a donné un traitement spécifique. Qu'est-ce qui vous reste? C'est pas non, avant la surveillance. C'est un malade qui présente une pleurésie. Là? Non, c'est pas le dépistage. Avant le dépistage. La ponction, maintenant, c'est bon. Voilà, c'est la kinésithérapie respiratoire. Donc, quand est-ce qu'on doit la commencer? Après l'évacuation, après l'apérésie. Dès que le malade devient apérétique, il n'est plus fébrile. Et après l'évacuation de l'épanchement, on va commencer la kinésithérapie respiratoire. Pour éviter la tachycardie.
voilà, pour éviter le passage à la papille de l'île qui a des conséquences qui sont très graves. C'est la restriction. Le malade, il ne peut pas respirer de façon normale. Il n'y a pas une surélévation, un abaissement de la cage thoracique comme un sujet normal. D'accord? La kinésithérapie, il ne faut pas l'oublier. La surveillance, on doit bien sûr surveiller le malade par un bilan biologique et échographique. Ce n'est pas à chaque fois qu'on fait des radios thoraciques, c'est des rayonnements. Donc à chaque fois, on sert de l'échographie pour voir si il y a toujours un épanchement ou l'épanchement a été évacué. D'accord? Et pour le pronostic, si le malade a été bien traité et traité de façon prématurée, donc avant qu'il ne passe la papille de l'île, et qu'il reçoit son traitement spécifique de façon adéquate, donc il n'y aura pas de passage à la papille de l'île, pas la purulence du lit. D'accord? Vous avez compris? Oui? Infectieuse, mais tu veux dire entre que la spécifique et la non spécifique. Non, lorsqu'on a fait la biopsie, il n'y a pas de risque de discrimination. Je veux, le malade déjà sous, il doit faire les antibiotiques, d'accord? Pour commencer, pour faire la biopsie, d'accord? Il y a un autre point que j'ai oublié aussi. À côté du traitement spécifique, la zodéo, la biopsie, non, la corticothérapie, les tuberculoses extrapyélonaires, là où il y a un dysfonctionnel, par exemple, j'ai mis la biopsie, l'acide. Dans ce cas, toujours, après avoir commencé le traitement spécifique, on administre les corticoïdes chez le malade. D'accord, à raison de 0,5 mg par kilo par jour. C'est pour éviter la papillomite et pour accélérer le tarissement perméliquite pleural. D'accord. Donc si l'épanchement de grande abondance est récidivant, on doit administrer la corticothérapie chez le malade. D'accord. Vous avez compris? Vous avez des questions? Je tout faire. C'est bon. Merci.